Bonjour à tous, c'est Motistrat et on se retrouve pour l'épisode numéro je sais pas combien de Pokémon Émeraude Plus en full random avec toujours cette fameuse team monotype feu, évidemment avec Demolos Pomade, le surnom mais évidemment Vesuvia le Volcaropode, Sonic le Typhlosion et Oli le Pyroli. Donc toujours une super team, très très solide évidemment. Je ne capture pas du tout des Pokémon feu, ou en tout cas j'essaye même pas du tout, mais c'est pas grave. Et aujourd'hui on va affronter la team Magma qui, je rappelle, veut réveiller Groudon. Donc je crois qu'à ce moment là on n'est même pas censé savoir que c'est Groudon spécialement. Donc écoutez, on va vite voir ce qu'elle mijote. En tout cas, notre leader nous a dit de creuser dans le mont Chimney, alors on a creusé. Et pendant qu'on était en train de creuser, on est tombé sur quelque chose de vraiment incroyable. Tu veux savoir ce que c'est? Ouah, je te dirai si t'arrives à me battre. Bon bah on va te battre du coup. Il va nous dire finalement ce qu'ils ont trouvé quand ils ont creusé au mont Chimney. Non, évidemment on sait pas encore que c'est Groudon. Allez, des mantas, évidemment des mantas, Pokémon de type O, hein, on est habitué de toute façon. Hop, on va utiliser notre cher Pyroli qui, je rappelle, lui a une attaque de type électrique. Puissance cachée électrique. Hop. Et voilà. Et là, comme ça, on fait un très bon départ, évidemment. Et ça ne tue même pas. Voilà, c'est pour dire. C'est un peu triste quand même. C'est quand même triste de se dire c'est 4 fois super efficace et ça tue pas. Allez, sport coton évidemment. La logique. On va vite voir hein, ce qui va nous dire, ce qui risque d'arriver. Évidemment, on s'infiltre dans le repère de la team Magma. Allez, Oli, monte en XP. Oui, tu m'as eu. Ok, alors qu'est-ce qu'il va nous dire du coup? J'ai changé d'avis, je vais rien te dire. C'est du troll ça. Tu vas devoir découvrir par toi-même, je te gâcherai la surprise si je te disais tout, tu crois pas? Le truc c'est que comme je connais le jeu, j'ai aucune surprise. Un intrus. Allez, Fogler. Pokémon qui est un peu chiant parce qu'il a une résistance au type feu. Double faiblesse par contre, hein. Ça fait 0 quand même. Non! Ah sérieux? Bah bien sûr. Fogler gicle les dos. Le pire c'est qu'il a tenu. Oh. Rap plaisir, on va changer évidemment. On va mettre Sonic. J'étais pas prêt, j'avoue que là... Ça. Je me suis dit dans ma tête en plus, je vais miser déflagration. Et vous savez quoi? Et ben j'ai misé déflagration. C'est quand même incroyable. Et je remise déflagration. Mais quoi? Mais c'est quoi ce axe? Mais il est nul ce Pokémon en plus. Oh la tristesse. Ah, ça y est. Vraiment, ça devrait one shot. Quand même. dresseur plus compliqué que prévu, évidemment. Un dresseur, c'est bien de la team Magma du coup. Gras, voilà, un dresseur de la team Magma qui dit gras et qui dit après j'ai perdu, est-ce que je dois continuer à tourner en rond bêtement? Et ben c'est par ça que j'ai failli me faire démonter quand même.
Alors, Entei. Comment on capture un Entei? Bluff. Ça fait mal. Bon, il fait bluff. Honnêtement, si j'arrive à capturer une taille, ce serait incroyable. Je full best défense spéciale. Siflerbe. C'est un taille cancer en fait. Bluff Siflerbe, c'est quoi ce truc? Ok. Là, c'est le moment de tenter des captures. Alors hyper beau, j'en ai 52. Ça en fait des tentatives. Ça va être difficile en vrai, ouais, je m'en doutais. Mania. Un peu de la merde, c'était. Pas faire 50 tentatives. Hein. Comment tenter de capturer un légendaire? On va mettre Vigivia. L'ennemi est faible. Attaque Vigivia. En vrai, j'aurais dû tenter de le geler avec Pangloss. C'est un peu tard maintenant. Non mais sérieusement, mais quoi? Mais pourquoi? Il s'est tué tout seul avec sa confusion qu'il a lui-même. Mais non. Mais non, mais je pouvais avoir une taille, mais j'ai. Mais pourquoi? Il se tue tout seul avec sa confusion. Vas-y. Non, j'ai le démon. J'ai le démon. C'est trop. Pourquoi? Je n'ai rien contre toi, mais je dois suivre les ordres. Je ne supporte pas la chaleur, je ferais peut-être mieux de rejoindre la team Aqua. À quel moment, quand ton objectif c'est d'étendre les continents, tu hésites à rejoindre la team qui veut étendre les océans? Ça n'a pas de sens, on est d'accord. Allez, Rafalpsy sur Ariyama et Tombrosh sur Fenar. Ok, ça va être 2 HKO comme on dit. La longueur de cette attaque m'impressionnera toujours. Attends. Le Ariyama, il a fait point de feu sur Fenar pour le booster. What the fuck? C'est quoi ce combat? Il a fait point de feu sur Fenar, mais non. Parce que je savais qu'il avait le talent torche. Excellent. J'avoue que y a des trucs des fois, je soupçonne même pas que c'est possible. Bon, c'est le meilleur. C'est quoi ce Fenar là? Affûtage grêle. C'est incroyable ce combat. Vraiment incroyable. Allez, franchement, même s'ils étaient nuls, ils étaient quand même marrants ceux-là. Oui, je ne suis pas vraiment, je ne suis pas vraiment fait pour être de la team magma. Ah bah écoute, la mer ne te manque pas dans un endroit comme ça. Bah pas trop. On a déterré quelque chose d'incroyable et on a l'orbe bleue. Notre leader n'a plus qu'à waha. Quel français. Il y a trop de Pokémon sauvages dans cette zone. Oula, il y a de la lave. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour être obligé de monter la garde ici? Mon oreille gauche est presque en train de brûler. Et dans la réalité, si vous êtes aussi proche de la lave, vous êtes déjà mort. Si on était dans la vie réelle. Hypocien. En plus, il a un Pokémon de type O. Toujours la logique de la team Magma, bien évidemment. Jackpot. Une pluie de pièces.
tout? Oula, Osmorang, ça fait peur quand même. On va faire ballon, j'espère que ça va suffire. Ça tient bien les couilles, Poséidon, quand même. Je dois avoir des bouffées de chaleur. Tu trouves pas ça bizarre qu'on porte des bonnets dans cette fournaise? Franchement, c'est... c'est pas mal tout ça. Pépé Max. Ah, bonjour monsieur. C'est quoi toutes ces machines? Je suis d'accord avec tout ce que dit notre leader, mais tu sais quoi? Faire des trucs comme exhumer un Pokémon super vieux et voler le météorite de quelqu'un, je crois qu'on va peut-être un peu trop loin, tu n'es pas d'accord? Ah, enfin, enfin, qui réfléchit un petit peu. Le fameux sbire qui réfléchit. Barbicha. Franchement, le sbire là qui est en train de se remettre en question en disant mais attends, mais on fait quand même des trucs vachement sales. C'est pas mal. C'est vrai qu'ils ont aussi introduit ça dans le jeu. Ok, plus de Barbicha. Par contre, ils ont tous des Pokémon. Oh la team Magma. C'est bizarre. Ouais, je pense vraiment qu'on fait quelque chose de mal. Ah. Tu sais, perdre permet de prendre conscience de certaines choses. La prochaine fois que je verrai notre leader, je lui parlerai de ce que nous sommes en train de faire. Eh ben... ça, ce genre de mec. C'est du respect quand même. Ils sont dans une genre de secte. Et là, il y en a un qui est en mode... la prochaine fois, je parlerai à notre leader pour exprimer le mal qu'on est en train de faire autour de nous. C'est quand même beau, non? Moi aussi, je voudrais voir Groudon, mais il me laisse même pas voir le bout de sa queue. C'est vraiment pas sympa. Oh non, je viens de cracher le morceau. Ils sont tous cons dans cette base, c'est pas possible. Ah, voilà l'admin. Enfin, je crois que c'est lui. Hé, tu as réussi à venir jusqu'ici, alors je vais tout te raconter. C'est bien ça, Groudon est en train de dormir juste un peu plus loin. Et Max doit déjà être avec lui, ce n'est plus qu'une question de secondes avant qu'il ne le réveille. Là on est dans l'urgence hein. Avant qu'il réveille Groudon, faut qu'on atteigne Max au plus vite. C'est... allez Ariama, par contre, il est niveau 43, pourquoi? Genre c'est l'admin et il a des Pokémon moins haut niveau. Bizarre. Ça fait 0. Mais ça confus. Étreinte, ça va. Heureusement qu'ils ont des attaques de merde en face quand même. Allez. Ça la mèche. Mais donc on est sur du niveau. Niveau relevé là. Alors, il va être niveau 2 en plus, tu vois. What the fuck? Niveau 49, oula. Coucroix. Oui, il a raté. Bon, je pense que ton brush peut one shot. Oui, sans souci. Ok, ça la mèche en moins. Qu'est-ce qu'il a d'autre, l'ennemi? Polition. On va remettre pommade, il a une attaque spectre, lui. Il a une attaque de type spectre, c'est cool. Il est shiny. Alors attendez. C'est quoi la différence avec le normal? C'est quoi la différence entre le pollution normal et le shiny? Il y en a aucune. Mais c'est juste parce que j'ai vu les étoiles que je sais qu'il est shiny. Hein. C'est quoi la différence? Ah, enfin m'expliquer. Enfin, m'expliquer la différence entre polysombre normal et polysombre shiny. Il n'y en a aucune. Oula, niveau 54. Ok. Ok, pourquoi pas. Faut savoir, hein, y a un écart entre les niveaux des Pokémon, c'est assez bizarre quand même. Ok, ça one shot, sans souci. Parce que c'est magnétique quand même, faut pas exagérer. Je suis humilié encore une fois.
Il va falloir juste que tu m'expliques quelle est la différence entre polichombre normale et polichombre shiny. Regardez, attendez. Je vais trouver polichombre. Pokémon de la troisième. On va faire une recherche. Voilà, on va utiliser le truc de recherche. Donc type spectre. Voilà. Ok. Aucun Pokémon correspondant trouvé. Pardon. C'est uniquement les Pokémon que tu captures. Oh non, mais c'est nul. Bon, on va le trouver comme ça. Voilà, polichombre. Hop. Voilà, regardez ce Pokémon. Non mais. On a vu le shiny 2 secondes avant. Voilà. Quelle est la différence? Quelle est la différence? Il n'y en a aucune. Nous voilà devant Max. Et là, par contre, ça va chauffer, hein, c'est le cas de le dire. Parce que regardez là, il est devant Groudon. Alors bon. C'est pas que c'est menaçant de le voir comme ça, mais en vrai il a l'air badass. Hein. J'aime bien me faire troll par les Pokémon sauvages. Que voulez-vous? C'est tout. Allez, Groudon. Rien n'a encore pu te réveiller de ton sommeil dans ce bain de magma. Cette orbe bleue, il te manquait, n'est-ce pas? Je t'ai ramené l'orbe bleue, que sa lumière te réveille et montre-moi l'étendue de ta puissance. Non! Groudon! Il va se réveiller! Groudon, que se passe-t-il? L'orbe bleue était bien la clé. Groudon, où es-tu parti? Oh, c'était donc toi! Tu n'as pas arrêté d'apparaître ici et là. Je comprends maintenant, c'est sûrement à cause de toi. Et là voilà, il a réveillé Groudon. Groudon est en train de se promener dans la nature maintenant. C'est génial. Quoi? Pardon, niveau 61. Quoi? Comment ça niveau 61? What the fuck? C'est son premier Pokémon? Scorplane. Il est niveau 61 le premier. Eh mais ils sont niveau combien les suivants? 63. Mais quoi? Stratopercute. Est-ce que ça one shot? C'est pas sûr en vrai. Scorplane n'a pas une si grosse attaque et Visible lui une grosse différence. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Les points glace. Est-ce que ça one shot? Ça non plus, c'est pas sûr. Sa boîte super efficace x4, ça tue pas. Mais il y a les potions, il y a les potions. Super potion, ok, c'est bon. Niveau 63, mais attends, mais regardez, il y a des différences de niveau, mais c'est incroyable. Et ça par contre, voilà. Hein. Carapuce le dernier. Niveau combien lui? Parce que j'ai peur. Hein. Niveau 64, ok. Allez, puissance cachée électrique. Ok, je pense que ça aurait pu être pire hein, au niveau du combat. En même temps, la super potion, ça réa tellement aucun PV comme le Pokémon est si haut niveau. Dommage qu'il n'y ait pas des ajustements à ce niveau-là d'ailleurs. Alors, bon. Oh non. Non, s'il te plaît, pas rayon lune. Ça va être chiant. Ça, rayon lune n'a que 5 pp. Même s'il le fait 5 fois, le combat sera pas si. Il va le faire 5 fois. J'accélère. Ouais. Alors, on va le faire en mode accélération parce que sinon ça va être chiant. Là, il fait. Là, il est à 4. Et voilà. Et bah putain, les niveaux des Pokémon, c'est énorme. Hein. 64. Hein. Mon meilleur Pokémon, niveau 55. Hein. Bon. D'où te vient cette maîtrise des Pokémon? De la stratégie, peut-être. Il doit bien y avoir une raison pour que Groudon soit parti comme ça. C'est ce que tu essaies de me dire, c'est ça?
Et tu crois que je ne te le savais pas? Groudon parti, nous n'avons plus rien à faire dans ce volcan. Je pars à sa recherche, nos chemins se séparent ici. Alors, bon. Groudon dans la nature. Hein. Je tiens à le dire, hein. Groudon dans la nature. C'est un peu. C'est quand même assez. Oh. Il y a un objet caché? Je crois pas. Non. Ok. Bon bah voilà, nous avons plus rien à faire ici. Et donc du coup nous voilà à nouveau lâchés dans la nature, évidemment. Et là on sait pas ce qu'on va... on sait pas ce qu'il faut faire en fait. Est-ce qu'il faut rechercher Groudon? Est-ce qu'il faut aller chercher la team Makua qui est tenté d'aller au badge suivant? On sait pas en fait. On sait pas. Bon après c'est sûr que. C'est sûr que là il faut. Ouais. Dans la logique, si tu viens d'affronter la team Magma et qu'ils ont réveillé Groudon, tu dois aller dans la planque de la team Aqua parce qu'ils négocient quelque chose quoi. C'est la. Dans la logique pure. Je pense que ça, même quand tu sais pas qu'il faut aller rejoindre la team Aqua, ça paraît logique d'y aller quoi. Ça... Surtout si t'as déjà vu la planque. Oh Typhlosion. Le retour. Le retour du duel Typhlosion. Qui va gagner? Qui serait capable de le gagner en vrai. Si je rate évoluement plusieurs fois. C'est bon. Coup critique, mais voilà. Comme ça qu'on négocie un duel de Typhlosion. Là on voit toujours le sbire qui nous bloque pour la suite du badge. Et normalement là tout se déroule dans leur planque hein, évidemment. Ça paraît logique qu'on aille dans la planque de la team Aqua. Hop, allez. Ils sont toujours là les deux? Quoi, qu'est-ce que tu veux la team Aqua? Notre chef il est pas là, il est parti piquer un sous-marin. Où est-il allé? Tu crois vraiment que je vais te dire quelque chose d'aussi vital? Qu'est-ce que tu veux la team Aqua? Notre chef n'est pas là, il est parti en direction de Favresel. Où est-il allé au juste? Tu crois vraiment que je vais te dire quelque chose d'aussi vital? C'est bien au moins avec eux, avec les deux là on sait toujours tout, hein. C'est assez énorme. Bon du coup on doit aller à Favresel. Donc on va y aller en volant, de toute façon j'ai un Vogan. D'ailleurs il s'appelle pas Vovol, on va en profiter, on va le renommer. Non, regardez, c'est. Parce que je crois que le renommeur il est dans cette ville de mémoire. Hop. C'est ça hein. Spécialisé non, c'est ça. Parce que notre Savelette s'appelle Coucoupe. Notre Hipporoi s'appelle Se Surf. Donc évidemment qu'on va appeler ce truc que je savais pas trop comment appeler. Que je savais pas trop comment appeler au début, on va l'appeler Vovol. Évidemment. Il faut un code CS Live. Logique. Hop, voilà. Bon du coup il est parti piquer un sous-marin, donc il doit aller voilà au port. Oula. Il y a du monde là, qu'est-ce qui se passe? Oh Moti, tu as l'air en pleine forme. Nous avons fait une grande découverte en explorant les fonds marins. Nous avons trouvé une caverne sous-marine sur le chenal 128. Nous pensons qu'il s'agit de l'habitat d'un Pokémon que nous croyons disparu. Capitaine Poupée, je suppose. Nous, la team Aqua, nous allons prendre le contrôle de votre sous-marin. Il est inutile de vous y opposer, nous comptons sur votre coopération. Il ne vous reste plus qu'à découvrir ce que la team Aqua a prévu de faire. On aurait dit quelqu'un avec un mégaphone. D'où ce son venait-il? Ça vient de l'embarcadère. Le sous-marin. Non. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Encore toi. Tu nous as suivis jusqu'ici, tu n'abandonnes donc jamais. Mais maintenant, personne ne peut nous arrêter. Ou peut-être qu'on tenu de nous suivre dans notre plan canal électrique. Bon bah. Pourquoi la team Aqua voudrait-elle voler mon sous-marin d'exploration 1 hein? Ne peut pas s'intéresser aux Pokémon qui sommeillent au fond de l'océan. Bah, faut croire que si. Évidemment, il y a un Pokémon qui sommeille au fond de l'océan. C'est quand même la merde là. Hein. Il y a Groudon qui est en liberté. Et la team Aqua s'intéresse à un Pokémon qui sommeille au fond de l'océan. Même Pokémon d'ailleurs qu'on a rencontré plusieurs fois dans les Let's Play et qui m'a déjà démonté. Bon, bon, on va les suivre dans leur plante du coup, hein, évidemment. Ah, ils sont plus là les deux spires. Bonjour monsieur. Bon, là il y avait un téléporteur, j'ai vu. Et là, il y a plein de téléporteurs.
Bah super, là il va falloir trouver la sortie. Enfin, l'entrée plutôt. Ici. Ok, là je pense qu'il faut faire le tour. Allez. Oh non. Ah, ça c'est le karma. Ah, ça c'est le karma. Niveau 30, ça va. Sans commentaire. Alors, pépite. Mais on s'en fout. Master Ball. Ah bah on s'en fout beaucoup moins. Bon, au moins la prochaine fois que je trouve un légendaire. J'ai pris une bonne raclée. Ça devait arriver, il fallait juste que je te retienne. Les téléporteurs, c'est la fierté et la réussite de notre planque. Tu ne sais pas trop où t'es, n'est-ce pas? Décontenancer et fatiguer l'ennemi, puis les serrer la vis, c'est notre planque. Bon, c'est... La première chose que j'ai dû faire en arrivant ici, c'est comprendre comment ces téléporteurs fonctionnent. La tristesse. C'est sûr que s'éloigner de l'objectif quand tu sais pas où t'es à cause des téléporteurs, c'est un peu plus compliqué quand même. Allez, Oli Vésuvien, hop. Ah, on n'a pas l'intimidation, ça c'est cool. On va faire la petite balle ombre qui devrait faire des bons dégâts à Loupio quand même. Ça reste un Loupio et pas un Lantern. Purée de poids. Pas de poison. C'est tout ce que je demande. Pourquoi à chaque fois qu'il y a un mec qui te fait cette attaque, elle a genre, je sais pas, 30% de chance d'empoisonner, je pense. Un truc dans le genre. Ça empoisonne à 100%, c'est un dresseur qui le fait. Je comprends pas. Allez, lance-flamme qui devrait one shot, oui, quand même. Bon bah du coup, on va utiliser un antidote. Hein. Je voulais faire une baie quoi. Hop, utiliser sur Vesuvia et la ballon qui t'amène. Voilà. Alors, ça me rappelle, je sais plus où j'ai mis un Master Ball. C'est moi qui l'ai. Ah. Nous voici devant l'admin. En espérant qu'il n'ait pas des Pokémon trop au niveau non plus. On va mettre des petites potions quand même. Parce que bon, ça coûte rien. Voilà. Et on va mettre Sonic en premier. Allez, c'est parti. On avait sous-estimé tes compétences, mais cette fois ça y est, je suis un cran au-dessus des sbires que tu as vu, je ne vais pas flancher, je vais te pulvériser. Oula, admin à quoi Mathieu? Métamorphe. Bon, par contre, oui. Je savais pas que les admins de la team à quoi avaient des métamorphes. Pokémon le plus inutile en random. Et Ténéfix. Bah on va garder Sonic. Attention niveau 56. Ça va. En plus c'est Ténéfix, hein, c'est pas un Pokémon de fou. Je serais même pas surpris que ça one shot. Et ça one shot. Voilà. L'Almina quoi, tranquille. Aucun problème. Et Sonic monte au niveau 55, vous avez battu l'admin et quoi Mathieu? Alors moi aussi j'ai perdu. Hé, pendant que je m'amusais avec toi, notre chef a terminé ses préparatifs. Hé, notre chef est déjà en route vers une caverne sous la mer. Si tu veux te lancer à sa poursuite, tu ferais bien de chercher dans le vaste océan derrière Ninucric. Mais est-ce que tu vas la trouver? Bah c'est pas gagné en vrai. Allez, on sort de là, on va chercher dans le vaste océan d'un dernier Ninucric, hein. On va aller... On va poursuivre la Zimakwa, hein, dans ce vaste océan. Mais avant, on va quand même soigner au Pokémon. Bonjour madame. Ah, et monsieur. J'avais pas vu monsieur. Je commence à en avoir de nager, que dirais-tu d'un combat? Bon, on se lance dans le vaste océan. Hein. Que voulez-vous? On peut pas faire grand-chose d'autre là pour l'instant.
pour attraper Groudon et Yatimakwa. Il est shiny. Je me disais, attends, c'est hyper et il a pas cette couleur normalement. Il est un peu plus. Il est pas rose quoi. Allez, nous voilà arrivés à Algacia, évidemment la petite île qui se trouve sur la carte. Voilà, là-bas, hein, évidemment, sur la droite. Une ville, voilà, au fin fond de la mer, on sait pas trop. Bon, voilà, petite traversée. De toute façon, là, ça va être beaucoup d'exploration marine, on va dire. Et dans cette ville, eh ben, il y a une arène, mais je la ferai pas tout de suite, évidemment. On va d'abord explorer la ville. Ça sera quand même plus intéressant de voir un petit peu s'il y a des choses quand même qui peuvent être sympas. Algacia, notre slogan, chérir les Pokémon. C'est Pierre qui m'a donné ça, mais je sais pas à quoi ça sert au juste. Je crois qu'on appelle ça la Roche Royale. La Roche Royale, évidemment, un item très connu en stratégie, puisque elle permet d'apeurer un Pokémon à 10% de chance en utilisant une attaque. Oui, oh, Scott. Comment ça va, Botsy? Pour moi, ça roule en tout cas. J'ai entendu dire que le champion d'arène de la glacière est assez fort. Alors, je viens voir ça de mes propres yeux, mais il y a quelque chose d'étrange qui se passe ici. Les gens parlent d'une lettre et du centre spatial. Ça ne me concerne pas de toute façon. Ouais. Une lettre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de lettre en fait? C'est bizarre. Ma petite sœur échange des lettres. Bah c'est ça en fait. Si tu ne peux pas mon avis avec cette lettre, mon Pokémon fait des retours avec la lettre. Nous sommes séparés, mais je ne me sens pas seul. Ouais, c'est Goli, excusez. Ok. On pourra retourner à Symmetronel. J'ai une idée, on va y aller maintenant. À Symmetronel. Hop, voilà, comme ça fera une petite quête de plus de fait. Bon, je sais plus quelle maison c'était par contre. Enfin, je vois. C'est la maison des vieux. C'est pas cette maison là non plus. Ok, cette maison là. Heureux de te revoir, Rélis. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il rapporte là? Une herbe mentale. L'herbe mentale, c'est lequel déjà? C'est laquelle herbe? Je regarde. Qui annule l'attirance d'un Pokémon. Mais on s'en fout. Mais on s'en fout. C'est. Je m'en souviens maintenant, c'est souvent utilisé sur Karatroc en stratégie. Pour éviter de. Parce que par la suite, c'est une herbe qui permettra de. D'éviter de se faire provoquer. Donc c'est assez intéressant sur des Pokémon lents mais qui utilisent des pièges de roc et tout. Donc il y a Pierre ici. Moti, as-tu déjà lu cette annonce? La Team Magma veut s'approprier le carburant destiné à la fusée. Je ne sais pas pourquoi ils en ont besoin, mais ils ne peuvent pas faire ça. Je vais rester ici, garder l'œil ouvert pendant quelques temps. Tu devras en profiter pour aller faire un tour en ville. C'est marrant qu'ils préviennent d'ailleurs. Ouais, on va venir voler votre carburant. Ça n'a aucun sens. Ils auraient pu trouver plus crédible quand même comme scénario. Ils auraient vraiment pu trouver plus crédible. Hop. Voilà, c'est un endroit idéal pour lancer les fusées, évidemment, il y a plein de monde, pas que des scientifiques, c'est ça qui est rigolo. Allez, nous voici devant l'arène d'Algacia qu'on fera dans le prochain épisode. Vous commencez à avoir l'habitude là-dessus, donc évidemment, on a fait déjà les deux planques des deux teams, et c'est déjà pas mal. Donc la semaine prochaine, on fera l'arène, évidemment, cette fameuse arène de type Psy avec les deux championnes Levi et Tassia. Levi, Tassia, évidemment, vous comprenez le jeu de mots, c'est pas moi qui l'ai fait. Et du coup, pour ne rien rater, vous pouvez tout simplement vous abonner, me suivre sur Discord, parce qu'évidemment, il n'y a que sur Discord que je suis actif autrement. Et voilà, globalement, mettez un pouce bleu, à partager et tout ça. Et en attendant la prochaine, je vous dis, portez-vous bien.